Sí. Es el último partido que acaba de llegar el equipo Mario Victorios. Para una presentación, el mejor equipo de la etapa de ayer. Tenemos este premio especial por los expresiones también de salida. Esto es de Tarnacos, es el camino de Santiago en esta segunda etapa de la Vuelta a Burgos. Así que atención también para el equipo que recibió el camino. De todos nosotros estamos muy pendientes también de este mayor de la clasificación. Mac, Mac, sobre. De la general, ese mayor. Ahí estaba. ¿Esto qué? Ouais, Marc, bah, déjà dites-nous comment ça va, comment est la forme ici à Burgos? Ça va, hier c'était une étape déjà très animée et puis voilà, il y a toujours un peu de vent et la chaleur, on n'a pas trop l'habitude en ce moment en France. Et voilà, aujourd'hui on va sûrement se diriger vers un peu le même scénario d'étape et avec sûrement un sprint un peu plus facile pour moi. Même scénario, vous attendez des bordures? Vous attendez la même guerre qu'hier? Il y a moins de probabilités, mais bon, on a vu que les routes ici sont quand même plutôt très dégagées, donc oui, il y a possibilité de bordure aussi. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces derniers kilomètres? Il y a deux petites bosses. Dans le final, il y a un dernier kilomètre qui est plutôt bon, en fait. Oui, c'est un peu accidenté sur le final. Après, c'est quand même moins dur qu'hier et ça dépendra aussi de la journée. Parce que hier, sur le papier, c'était plus dur qu'aujourd'hui, mais c'était pas non plus insurmontable. Et au final, la journée a été très usante et on a vu que du coup, dans le final, ça a fait beaucoup de différence. Pour vous, cette année, après la chute en Pologne, c'est aussi le chemin pour retrouver la confiance. Vous en êtes tout dans ce chemin, justement? Bah, déjà, c'était surtout physique et voilà, ça va de mieux en mieux. J'ai moins de dents de scie, on va dire, dans ma forme. J'ai l'impression que ça revient vraiment bien, donc je suis confiant là-dessus. Et après, voilà, pour un sprinter, le chemin de la victoire, c'est le meilleur chemin pour retrouver pleine confiance. Vous avez un bon lead-out ici? Oui, je vais disputer le sprint et voilà, on attend forcément un bon résultat et surtout la victoire. Vous avez un bon train pour vous accompagner dans les derniers kilomètres? Bon, on a plutôt une équipe de grimpeurs, mais bon, j'ai quand même Damien Touzé avec moi et voilà, on va essayer de se débrouiller surtout tous les deux et les grimpeurs vont essayer de nous donner un coup de main quand même. Merci beaucoup, hein. Bonne chance.